bueno, tu presentación con muchos autores franceses, con muchísimos autores franceses. Ahora le vamos a dar la palabra a otro francés, que es Pierre-Yves Rougeron, presidente del Círculo Aristóteles. Comment ? Merci pour m'avoir invité et pour l'amitié de votre accueil. Muchas gracias por la invitación y por la amistad que me prestéis. Je remercie également mon devancier et camarade qui m'a un peu facilité le sujet. También le agradezco a Alfonso Maura que me ha facilitado el tema de mi presentación. Comme mon camarade vous l'a dit, je vais traiter un sujet sous l'angle gaulliste. Y como lo ha dicho mi camarada, voy a tratar de este tema desde una perspectiva, gaullista. Ça va nous permettre de faire un exercice de fraternité par rapport à quelque chose qui nous unit. Eso nos va a permitir hacer un ejercicio de fraternidad gracias a algo que nos une. Je veux pas vous parler de la France des années 60, mais de quelque chose de très actuel. No os quiero hablar de Francia de los años 60, sino de algo muy actual. Que es un ejercicio de pensée politique. Que es un ejercicio de pensamiento político. Nous avons en commun une angoisse. Tenemos en común una angustia. Une angoisse double. Una doble angustia. De voir avant la fin de ce siècle nos peuples disparaître. De ver antes del final de este siglo nuestros pueblos desaparecer. Et peut-être bien pire. Incluso algo peor. De devenir des exilés intérieurs chez nous. De transformarnos en exiliados interiores en nuestros países. C'est-à-dire de ne pas être expulsé. Es decir, no estar expulsado, sino. Mais de ne plus rien reconnaître de ce qui nous fait aimer notre terre. Sino el riesgo es que no reconozcamos nada de lo que hace que amamos a nuestras tierras. Le point de vue institutionnel. El punto de vista institucional a été brillamment traité par mon camarade et immédiat devancier. Y ha sido muy bien presentado por mi camarada que ha hablado justo antes de mí. Je voudrais souligner un autre point qui sous-tend les institutions. Me gustaría subrayar otro punto que tiene que ver con las instituciones. Les institutions politiques ne valent que par les hommes qu'elles créent. Las instituciones políticas solo podemos juzgarlas por los hombres que crean. Un des grands écrits de la Reconquista pour nous français. Uno de los grandes escritos de la Reconquista para nosotros franceses. Le Cid. El Cid. A une phrase où il est dit Rodrigue, as-tu du cœur? Tiene una frase que dice Rodrigo, ¿tienes corazón? La question est avons-nous et allons-nous avoir du cœur? Y la pregunta es ¿tenemos o tendremos nosotros corazón? Face à ce qui va nous arriver. Ante lo que nos va a lo que nos puede suceder. Et peut-être bien pire, arriver à nos enfants. Incluso mucho peor lo que pueda suceder a nuestros hijos. Je tiens juste une petite excuse vis-à-vis de vous tous. J'ai un point de vue un peu situé. Je suis père de famille, donc je suis désolé. Mais voilà, ça oriente beaucoup mon discours. Una pequeña excusa por mi parte es que como yo soy padre de familia, eso tiene algún efecto sobre la orientación de mi presentación. Pour le général de Gaulle. Para el general de Gaulle. La première condition pour exister, c'est de vouloir exister. La primera condición para existir es querer existir. C'est l'un des sens profonds du livre Le fil de l'épée. Es uno de los sentidos profundos del libro del general de Gaulle que se llama El fil de l'épée. Les institutions sont secondaires par rapport à ça. Las instituciones no son prioritarias ante esto. Suivant les enseignements de Gustave Le Bon. Con lo que nos aprendió Gustave Le Bon. Pour De Gaulle, c'est l'âme des peuples qui crée les institutions. Para De Gaulle, es el alma de los pueblos que crea las instituciones.
Et les institutions raffermissent l'âme des peuples. Y las instituciones tienen un efecto sobre los pueblos. Ce qu'on appellerait aujourd'hui une boucle de rétroaction, mais peu importe. Enfin, le point central, c'est sommes-nous capables de porter la souveraineté en tant qu'homme aujourd'hui? El punto central es saber, ¿estamos capacitados para defender la soberanía y soportar la soberanía como hombres hoy? La souveraineté, c'est l'organe matériel de notre volonté de perdurer dans l'histoire. La soberanía es el órgano material de querer existir en la historia. Au profit de quoi? ¿Para qué? Au profit de son autre visage qui est la liberté nationale. Para su otra cara, que es la libertad nacional. Qui conditionne notre liberté à tous. Que es la condición de nuestra libertad a todos. Il n'y a pas d'homme libre dans un peuple qui ne l'est pas. No hay hombres libres en un pueblo que no lo es. Arnaud Tessier, grand historien français. Arnaud Tessier, grand historiador francés. A bien identifié dans les écrits du général de Gaulle à partir des années 65. Ha identificado en los escritos del general de Gaulle a partir de los años 1965. Et certainement sous l'influence de Bernanos. Y bajo la influencia de Georges Bernanos. Une angoisse anthropologique de voir des générations d'hommes renoncer à la liberté. Una angustia antropológica de ver una generación de hombres renunciar. Je suis persuadé que ce thème vous touche après les 2 ans de folie que nous venons de vivre. Estoy seguro que este tema os interesa mucho y os es algo que es importante para vosotros después de esos 2 años de locura que hemos vivido. L'ensemble du monde, mais particulièrement de l'Occident, est touché. El conjunto del mundo, pero particularmente Occidente, tiene está con bueno, ¿cómo traducirlo? Es algo que es más un tema de Occidente que del resto del mundo. A partir de la fin des années 60, début des années 70, s'est mis en place un nouveau système de valeurs dans tout l'Occident. A partir de los años 60 y los años 70 se ha puesto en marcha un nuevo sistema de valores en Occidente. Pour être rapide, je le définirai comme suit. Para resumirlo, lo voy a definir así. Un système anti-politique. Un sistema antipolítico. C'est-à-dire que l'homme n'est plus nécessaire dans un monde où le marché et la machine peuvent régner sans lui. Es decir, que el hombre ya no es necesario en un mundo en el que la máquina puede vivir sin él. Le lien entre les hommes sera à terme assigné à la fonction de marché et à elle seulement. La única relación que tendrán los hombres es una relación de mercado y nada más. Et le type humain sera un être sans histoire, sans racines, liquide et qui ne posera plus problème. El tipo humano será una persona sin historia, sin raíces y creará más problemas. Ce système a été parfaitement résumé. Este sistema ha sido perfectamente explicado par le grand philosophe français Michel Kluskar. Por el gran filósofo francés Michel Kluskar. Un monde où tout est permis. Un mundo en el que todo está permitido. Mais plus rien n'est possible. Pero en el que nada es posible. À partir de là, nos populations se sont toutes dédoublées. A partir de este momento, nuestras poblaciones se han desdobladas. Et aujourd'hui, y hoy, nous sommes face, il est vrai, à une invasion du tiers-monde, oui. Hacemos frente a una invasión, está claro, del tercer mundo. Mais nous sommes surtout face à la création à échelle industrielle. Pero antes de todo, hacemos frente a algo que a nivel industrial d'occidentaux
remplacé parce que remplaçable est content d'être remplacé. Han creado occidentales reemplazados porque podían ser reemplazados y que están muy contentos de ser reemplazados. Aujourd'hui, au sein même de nos peuples, hoy dentro de nuestros pueblos, deux grandes tendances font face. Dos grandes tendencias se hacen frente. Ce que le général de Gaulle appelait les hommes de caractère. Lo que el general de Gaulle llamaba los hombres que tienen carácter. Et ce que je me permets d'appeler ce que certains appellent les woke, que j'appellerai les hommes du consentement. Y lo que yo llamo, aunque haya gente que lo llame woke, yo lo llamo hombres que consienten. Les premiers ont un rapport au monde, enfin, d'abord un rapport à eux-mêmes et aux autres, qui est fondé sur les anciennes notions qui garantissaient la liberté. Los primeros tienen relaciones con ellos mismos y con el mundo sobre valores que son antiguos valores. Le cas typique, la notion d'honneur. El caso típico, la noción de honor. Vis-à-vis du monde, ils cherchaient la puissance. Y en relación con el mundo, antes buscaban la potencia. La puissance n'est pas la domination. Ser poderoso, pero no dominar. La puissance est la maîtrise. La potencia es controlar. Devenir le meilleur de soi. Ser lo mejor de uno mismo. Comme disait le grand gaulliste Jobert. Como lo decía el gran gaullista que se llama Jobert. Faire un avenir à notre ressemblance. Hacer un porvenir que se parezca a nosotros. Et par nul autre imposé. Y que no sea impuesto por gente de fuera. Comme le grand penseur de l'identité française Braudel dira. Y como lo ha dicho el gran pensador de la identidad francesa, Fernand Braudel, s'opposer à l'autre sans faiblir, oponerse al otro sin debilidad, pas pour le nier, no para negarlo, mais au nom de la légitime préférence pour soi. Pero por la legítima preferencia para sí mismo. Seule condition d'un universel. Única condición que permite algo universal. Les hommes du consentement aujourd'hui. Los hombres del consentimiento hoy. Sont des hommes roseaux qui plient devant tout et tout le monde. Son hombres que se doblegan ante todo y absolutamente todas las personas. Ils sont uniquement remplis par les flux extérieurs. Solo hacen caso a flujos exteriores. Vous l'avez vu pendant les deux dernières années. Lo habéis visto durante los dos últimos años. Ils obéissent aux ordres. Obedecen a las órdenes. Y compris si les ordres visent leurs propres enfants. Incluso si esas órdenes tienen efecto sobre sus propios hijos. Alors qu'ils n'avaient aucune baïonnette dans le dos. Cuando no tenían ningún arma detrás de ellos que le obligaran a hacerlo. Ils ne veulent qu'être portés. Solo quieren ser llevados por la corriente. Ce sont les feuilles mortes de l'histoire. Son las hojas muertas de la historia. Et maintenant, y ahora, le choc ne peut qu'avoir lieu entre eux et nous. El choque solo puede ocurrir entre ellos y nosotros. Pourquoi maintenant? ¿Por qué ahora? Parce qu'il y a deux phénomènes qui vont avoir lieu en même temps. Porque hay dos fenómenos que van a tener lugar en el mismo momento. La faiblesse anthropologique de tous les pays occidentaux. La debilidad antropológica de todos los países occidentales est en train de faire pourrir nos sociétés.
está destruyendo nuestras sociedades por dentro. Et cette faiblesse, y esta debilidad, alors que l'Occident se voulait impérialiste, cuando realmente Occidente quería ser imperialista, est en train de se retourner contre l'Occident. Está ahora atacando a Occidente. Comme vous le voyez en ce moment. Como lo vemos ahora mismo. Deuxième chose. Segunda cosa. Nous faisons des individus tellement fragiles. Hacemos individuos tan débiles. Que les différentes catastrophes en cours. Que las distintas catástrofes que están ocurriendo ahora. Risque de réveiller très brutalement. Puedan que nos despierten de forma brutal. Et je vous dirais que c'est parce que ce moment commence maintenant. Y os diré es que porque este momento empieza ahora. Qu'on peut dire que pour le siècle qui vient. Que podemos decir que para el siglo que viene. La grande question. La gran pregunta sera si nous devenons ou pas. Será si nos hacemos o no. Un rouage de la machine à nous à effacer nos propres peuples. Un material más de la máquina para acabar para acabar con la memoria de nuestros propios pueblos. Ce sera notre reconquête. Será nuestra reconquista. Et comme disait le général de Gaulle. Y como lo decía el general de Gaulle. La vie mène un combat qu'elle n'a jamais perdu. La vida está lleva una batalla que nunca ha perdido. Et pour ce que nous sommes. Y para lo que somos. Et pour ce qu'ont été nos parents. Y por lo que fueron nuestros padres. Et pour ce que nos enfants auront droit de devenir. Y por lo que nuestros hijos tendrán el derecho de ser. Nous ne devons pas perdre non plus. No debemos perder tampoco. Merci. Gracias.